Salut, salut la famille, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, on fait cette vidéo pour vous souhaiter une très 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 bonne année 2023. Vraiment la santé, l'amour, l'argent et l'amour. Hein? Voilà. Donc, je suis avec ma chérie, je suis avec mon bébé Lolo. Je pense que vous avez vu un peu ces derniers temps sur Internet ce que les gens ont balancé et tout ça. Bon, avant même d'en arriver là. Cette nouvelle année qui vient, plus de problèmes. Plus de problèmes. Je tiens à présenter d'abord mes excuses à tous ceux à qui j'ai pu faire du mal, tous ceux à qui j'ai pu frustrer, que ce soit dans le showbiz, que ce soit mes amis, la famille, tout le monde. Voilà. Et puis, bon, je te laisse un peu parler. Tu as fini de présenter tes excuses. Ouais, j'ai fini. Excusez-moi, mais pour finir, vous présentez les excuses aux femmes. Tiens, on Oui, m'attache. à toutes les femmes, parce que apparemment il y a des gens qui disent que j'ai insulté les femmes cette année, fini, plus jamais. Je présente mes excuses à toutes les femmes que j'ai pu insulter, frustrer, fatiguer. Voilà. 2023, c'est un nouveau tiers qu'on insulte en couple avec mon bébé Lolo et ma musique. Rien que ma musique et le travail. Voilà. Coucou, alors bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite une très belle année à tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se poser des questions, mais au fil du temps, vous aurez les réponses. Je ne sais même pas quel nom il est, c'est horrible. Vas-y, dis le nom, il faut rire. Bon, voilà, il a présenté ses excuses. Vous savez, l'erreur est humaine, donc chacun de nous, on fait des erreurs et autres. Donc, c'est un être humain. Voilà, il a présenté ses excuses. Moi aussi, je présente mes excuses à tout le monde. On n'est pas parfait, on ne dit pas que du jour au lendemain, on va changer. Mais on aspire à des jours meilleurs. Voilà, bonne année à tout le monde. Voilà, arrête d'être là. Tiens, la barbe me distrait. Donc, voilà un peu. Il y a certaines vidéos que vous avez pu observer sur les réseaux sociaux. Je préfère le dire en entrée de jeu. Ma vie privée, c'est vrai, on est des personnages publics, ça devient public. Toute chose, quand tu veux cacher, au fur et à mesure, ça prend. Ce qu'on veut cacher là, c'est ce que les gens montrent. Alors que si tu montres ce que les gens pensent cacher, ils ne pourront rien faire. C'est ça, non? C'est ça. Donc, on a pris la décision de s'afficher, comme vous le voyez. On a de comptes à rendre à personne. Moi, je suis une femme publique, il est public. On a de comptes à rendre à personne. Donc, ce on veut vous dire, que cette année nous apporte beaucoup de choses, beaucoup de santé. Lui-même, il ne se porte pas bien. Voilà ses médicaments, même. Il force à faire vidéo, voilà. Il est grippé, forcément il veut me contaminer. Voilà, il ne se porte pas bien. C'est le son que j'ai fait avec Pointu, mais on a tellement tourné, tourné, ça m'a fatigué. Pointu aussi, sa tête entourait, mollet. Pointu. Ce que je voulais ajouter, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas Lolo, c'est une femme exceptionnelle. Je vous dis la vérité, hein, dans la vie, on ne peut pas connaître tout le monde, mais il ne faut pas juger par les apparences. Parce que moi, je ne la connaissais pas avant. Mais depuis que je suis avec elle, sincèrement, rien à voir avec ce que vous voyez sur les réseaux. Et moi, pareil, hein, pour ceux qui me jugent, c'est comment tu trouves? Non, 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 c'est quelqu'un de très calme. Au fait, au fur et à mesure, vous allez découvrir une autre personne. Parce que je me dis, quand une femme mature comme Lolo Beauté, on va le dire ici, rentre dans la vie de quelqu'un, il faut qu'on sente qu'il y a un changement, il y a la maturité, il y a l'esprit posé, les affaires posées, l'évolution qui se fait d'elle-même. J'ai vu plein de commentaires, je n'ai pas voulu répondre. Excusez-moi pour ma tête parce que, voilà. On est à la maison, j'ai pas. C'est improvisé. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Puis j'ai oublié encore. Arrête, ça me En tout cas, tout est là. Maintenant, vous savez, on a voulu cacher entre guillemets. Bon, on n'a pas caché, mais on vivait tranquillement. C'est parti sur Internet. Maintenant, vous le savez, on est ensemble. Je fais ma musique. Elle fait ses business. Paris-Abidjan. Et puis, voilà. En tout cas, que Dieu mette la main dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle année. Et vous ne serez pas déçus. En tout cas, on va travailler chacun de notre côté dans nos différents business. Mais voilà, ne soyez pas surpris désormais si vous nous voyez sur la toile et tout ça.
normal. On va essayer de vivre notre vie comme on peut, sans avoir de problème avec qui que ce soit. Avec qui que ce soit. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Les problèmes, ça vient, on les règle d'une manière ou d'une autre. Mais bon, on a envie de vivre. Voilà, donc permettez-nous de vivre. Maintenant, pour les commentaires, ceux qui disent, parce que tu sais... Je sais vous avez fait tout ça. Tu sais? Oh non, vous pensez quand même sur Facebook. Il n'est pas français, tout ça, c'est les trucs qu'il faisait. C'est fini, ça, c'est fini. Vous savez que moi-même, là, je suis un peu carré. Mais le petit côté qui doit changer, voilà, un peu jaloux, là, c'est tout. Voilà. Mais quand tu aimes quelqu'un, j'ai oublié d'être jaloux. Oui, on ne dit pas non, mais il faut doser. Il veut me dominer quand dernier degré même. Il veut me prendre même pour mettre dans sa poche. On peut faire ça. Ok. Donc, oui, bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne année. Et puis, profitez de cette santé. Année. Et puis, la vie, elle est courte. On ne vit qu'une seule fois. Profite de ta vie. Voilà. C'est ma confirmation. Que l'amour soit. Et que la santé surtout. Ok.